La vie est un voyage. Maman, tu sais, un jour je vais grandir et tout sera différent. Car nous comprenons encore moins des fois que nous refusons de croire que le temps vole avec lui. Plus que mon image, le risque de laisser de côté mes idées, mes rêves, mes volontés, mon essence. Oublier qui suis-je? Et vous ne vous en rendez même pas compte? Avez-vous déjà pensé à cela? Le problème, c'est la vie qui passe devant nos yeux et qu'on ne se rend même pas compte. Et après, il est trop tard pour savoir ce qu'on a fait de bien. Savoir le temps de récupérer. Pendant qu'il est encore temps, faites valoir votre vie avant qu'il ne soit trop tard. La vie. Un voyage que pour certains est long. Pour d'autres, court. Et dans le voyage, le plus important, ce n'est pas le temps qui se lève, mais bien l'arrivée en sécurité et être heureux. Dans le voyage de la vie, ce n'est pas différent. Le plan qui te ramène jusqu'à la porte du salut est à l'intérieur de toi. Un plan appelé conscience. La conscience nous montre toujours le mauvais chemin et relève la bonne décision. C'est elle qui éloigne le pécheur de l'erreur et guide ses pas en direction du royaume de Dieu. En réunissant tous ceux qui ont eu un cheminement juste, seront sauvés. Et votre conscience, elle vous dit que votre âme ira à quel endroit? Soyez attentif, faites attention et faites ce qui est correct pendant qu'il existe encore une opportunité. Parce que l'enfer existe et Jésus est en train de vous donner aujourd'hui la chance du salut. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre.